Donc salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infamous 2. J'oublie tout le temps la partie parce que là je suis en train d'enchaîner trois missions d'affilée, donc là c'est ma troisième. Donc là la mission s'appelle le rayon Dunbar. Et Dunbar c'est enfin Dunbar, c'est le nom de famille à Zek en fait. Zek, Jedaya, Dunbar. On va lancer. Il parle pas, hein. Oh, mec, t'arrives juste à temps. On est mal ici. Vous êtes mal? Je croyais qu'on avait un antidote. Non, il n'y a pas d'antidote. Parce que tout Floodtown est en train de mourir. Et tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est de soulager leur souffrance avant qu'ils meurent. Le seul problème, c'est que tous ceux qui tentent de traverser pour nous rejoindre se font attaquer. Saleté de monstre. J'ai installé des défenses tout autour du camp. On a besoin de jus pour les alimenter. J'espérais que tu pourrais nous aider. Je vais faire de mon mieux. Et c'est parti! Un truc vient de déclencher un capteur de mouvement. Prêt à l'avoir? J'arrive. Excusez-moi. Voilà. Donc on peut reprendre. Donc là c'est un détecteur de mouvement que j'ai qu'à placer. Hein. Et il est là. Voilà. Bien. Trouve le projecteur que j'ai installé sur le toit. Là, c'est un projecteur. Hein, ouais. Rien que sur les monstres des marais, crame-les. Pigé. Tu sais que c'est un projecteur, hein? Ouais, c'est bien, tu peux me croire. C'est un projecteur à UV qui déchire. Il tue. C'est baptisé le rayon Dunbar. Suffit de l'orienter sur les monstres des marais pour les griller. Ils ont le sentir juste avec un bronzage, voire avec un mélanome. Mais bon, ils sont déjà malades. Oh bon sang! Ça c'est l'alarme du côté ouest! J'y suis, je m'en occupe. Donc là, faut que je me dépêche à y aller parce que le temps est compte. Hein. S'ils crèvent tous, je suis dans la merde. Donc vous voyez, en fait, c'est un rayon à UV. Ouais. Moi, j'aimerais pas me faire griller par ce rayon parce que. J'ai pas envie d'avoir de mélanome ou un truc du genre. Ils sont là. Donc là, en fait, ça c'est. Je le concentre le tir. Hein. C'est. Ah, ils sont là. Là, c'est la super puissance. Non, ton bonjour est dans le fait. Tu veux dire mon rayon Dunbar? Non, je l'appellerai pas comme ça. Ah, tu m'étonnes, il veut pas l'appeler comme ça. Donc là, on les grille tous. C'est trop bien. Ah, j'ai des super prêts. Vas-y, là, il est passé où? Il y a encore des saletés qui se pointent! Bah ouais, mais je finis d'abord ce quartier là et après je ferai la suite. Donc, ah oui, en fait, j'ai débloqué de nouveaux pouvoirs hein. Dès que j'avais fini la mission. Bah, mon karma a évolué en fait. Là, je suis un héros. Dès que j'ai gagné de nouveaux pouvoirs, mais que je n'achèterai pas. Parce qu'ils sont pas vraiment si puissants que ça. T'as juste un bouclier. Vous voyez le bouclier qu'on a aussi dans le 1, sauf que c'est un bouclier de glace. Le jet d'éclair, c'est ce qu'on a dans la démo, hein, le sort de mitraillette. Et elle n'afflige pas beaucoup de dégâts, cette mitraillette. Et quoi d'autre aussi? Et un jet de fragments de glace en fait. On lance des fragments de glace que je vais vous faire montrer. Après, parce que là je peux pas vraiment. Aussi, je l'ai acheté, hein. Enfin, non, je l'ai pas acheté justement. Ah, ils font chier là. Ils sont en train de tuer quelqu'un. Ils peuvent les tuer, les gens. Mais je sais pas si ça affectera la mission s'ils crèvent tous. Parce que là, ils sont frappés, mais ils crèvent pas. Hein. Il y en a un autre. Hein. Toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, il est là. Bon, on y va vite. Dommage qu'on n'a pas les gros dévoreurs là où on doit tirer dans leur bouche. J'aimerais bien voir ce que ça fait sur eux. Comme ils ont une super carapace de la mort qui tue, je sais pas vraiment si les inventeurs. Hein. Parce que les monstres ils sont pas là, le jour ils sont pas là, les monstres. Enfin, pas que je sache en tout cas. Ah si, ils peuvent être là le jour, ils peuvent. Non, c'est pas d'où ils sortent, et ça fait chier, hein. On peut pas savoir d'où ils viennent, c'est bon ça. Mais après, vous inquiétez pas, on saura d'où ils viennent, ces sortes de crocodiles géants, ou le temps.
dégénéré là tout fou. Déjà là on en a appris beaucoup parce qu'on a vu que Bertrand était une de ces bêtes-là, enfin que c'était ça son pouvoir, de se transformer en grosse bébête pas moche, enfin toute moche. Tu étais moche, hein. Et... Bon, allez, tu ramènes tes fesses. Oh, il y en a deux. C'est réglé. Toi aussi. Ils sont trop nombreux. Accrochez-vous, Cole. Sauvez-en le maximum. On compte sur vous. Ah bah pourquoi toi tu fais pas aussi les projecteurs là? Pourquoi y a pas des gardes là au lieu de... Le mec il a toute une armée de rebelles mais il peut pas en avoir un, trois ou quatre qui sont sur des projecteurs à vérifier. Hein. Ça va tout faire là. Ah. J'ai un peu le sentiment de me faire exploiter là. Je sais pas pour vous mais. Donc là, celle-là, c'était rapide. Ah, parce que j'adore trop ce pouvoir, mais un truc. Ah, ah j'ai soif. La bouteille d'eau, elle est trop loin. Oula, il y a du peuple, il y a du peuple. Oh, il y en a d'autres aussi dans l'autre coin. Oh merde. Mais là, ça marche pas! Vous avez fait tout votre possible, Cole. Retournez au camp. Si on fait tous équipe, peut-être qu'on pourra sauver cet endroit. Bon, là, le radar il s'est arrêté parce qu'il y en avait un peu trop qui fait que je pouvais pas tous les avoir. Donc, on les grille tous. Cette mission elle est chiante, enfin je la trouve pas intéressante moi de griller de. Ah il y a des autres de glace là. Bon, eux là c'est les élites en fait. Eux c'est comme les gros mitrailleurs de la milice en fait. Sauf qu'ils se mettent sur une grosse tour de glace. Et il lance des rayons laser. Ouais, il tire des rayons laser. Ah, vous voyez, il fait chier. Ouais. Moi, je pense que je vais reprendre le projet. Ouais, il est là. Ah, il faut savoir, hein. Oh, il a dit joli choix de mots. Donc, on peut les détruire ce tour de glace, mais ils sont assez résistants et ça, c'est chiant. Voilà. Il y en a un autre là-bas, il me semble. Ouais, il y en a un autre là-bas. Viens là, tapette là. Moi, j'ai besoin d'électricité. Oh, il est chiant avec son électricité. Pourquoi il a passé à l'infini? Bon, ce sera un peu trop cheaté si je reste à l'infini. Là, j'entends un homme qui jouit. Déjà, dans la partie 14, c'était une femme, mais là, un homme. Oh! Oh! Oh, celle-là, je vous la passe au ralenti. Oh, magnifique. Magnifique, le mec. Il était là. Quand il est tombé, ça l'a projeté tout là-bas, là. Et en plus, sur le radar, je l'ai On est vu. sauvés. Après, il est mort. Prouvez votre avis avait fait des merveilles ce soir. Ce noyau d'énergie est à vous, à condition que vous m'accordiez une autre petite faveur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur j'aime, tout là, tout ça. Et ma page Facebook, ça fait aussi toujours plaisir. J'ai plus de 2 abonnés, c'est pourri. Donc,
Au revoir tout le monde.